pas avec tes chaussures. Qu'est-ce que tu dis avec mes chaussures? Bah, il me faut rire. Pas que t'achètes les chaussures. Mais éteins-les en noir hein, parce que ça ils vont être verts. C'est un combat du coup. En effet, ça peut le faire. Hit, technique de secours. J'utilise jamais, à part pour cool. Non, moi ça je l'utilise pour sur des certaines pour essayer de dépêcher à mort par exemple sur Ravana et choses comme ça. Oui, à part pour pool. Mais j'aime bien le mec, moi je pool avec. Ouais. T'as pas le temps de ces conneries. C'est du noir, hein, je peux t'en donner. J'en ai 90. C'est le craft, hein. C'est juste que je regardais le prix du noir G. Ah pourquoi? Parce que c'est du noir G ce que t'as? Oui, mais ça sera plus tard. Ah ah oui, c'est 11 000 non? Ouais, officiellement ce n'était qu'11 000. Ah non, c'est pas 11 000, parce que par... c'est 100 000 quelque chose. Ouais, c'est ça. Waouh, quand j'aurais vendu. Eh mais ça coûte. Ce qui me donne mon servant là, il est monté level 60. Ah, c'est 50. Ouais, 3. Toi sur Ravana, tu vas y jouer en quoi? En ninja ou en tank? Tank. Mon main c'est tank. En vrai, comment dire? Ravana. Moi, un tank. Sauf si, voilà. Sauf si ça rave le monotank. Mais sinon, je vais en tank. Et pour moi, je pense que. Lui, il l'a bien fait plusieurs fois. Normalement, je crois que ça se fait solo tank. Non, non, ça se fait à double tank. La strat est faite pour un double tank. Et si t'as le stuff, tu sais le faire en solo tank. Mais il faut connaître tout par cœur. Faut savoir qu'est-ce que tu peux partager. Savoir quand on partage surtout. Ça, c'est comme bon Shiva, hein. Tu peux le faire à un tank. Oh, mais après, Shiva, c'est dois... plus une banalité, je trouve. Ah, Shiva à un tank, c'est bon. Enfin, je l'ai fait en synchro. Oh, moi, je l'ai farmé, moi je suis. C'est avec toi que j'ai cette conversation. On est des joueurs, nous, on est de Reborn. Ouais. Voilà, moi de Reborn, j'étais le meilleur. Il du serveur, combien de tanks j'ai soigné solo de ces Shiva. Sûrement pas tellement. Pas bien voulu en tank, voyons. Fury sauvage apparaît. J'étais pas tank, hein, franchement. J'étais heal. C'est quoi, érudit? Ouais. Oh là là. Je faisais partie des meilleurs érudits du serveur. Donc. Mais t'étais sur le serveur ici ou sur un autre? Non, j'étais sur celui-ci. Et en vrai, je te dis, genre sur la dernière CL, j'ai eu 3-4 pseudos qui m'ont. Comme je t'ai dit, j'ai fait une grosse pause et tout ça. Mais. Et... J'avais pas ce nom-là. Pas chiant. t'es déjà passé dans les turns, genre t'es 10, t'es. Bien sûr. Le jeu, je l'ai torché. Ouais, donc. Comment dire? Dans un roster avec dis-moi s'il y avait des gens de ton roster si tu non. Bon.
m'en souviens. Roster, tout mon roster, il se coupe plus. Il n'y a plus que Prince Papalimo, mais il ne se connecte plus non plus. Shuri, c'était vraiment écrit comme ça, hein. C'était bien Shuri. Non, ça s'écrivait pas comme ça. Avant, je m'appelais Mia Shai Lako. Charlie Lako. Mia, donc Mia Shai Lako. Ouais, rien à voir avec mon pseudo actuel. Non. Ah. Ah, Nako, je pense. Nick de genre non, Nako. C'est Mia et c'était. Ah. Le nom. C'était celui avec la roulette. Attends, je demandais à mon pote que lui il connaît quasiment toutes les personnes. Non, je serais plus de sortir le nom. C'est Shai Lako, un truc comme ça. Mais de l'écrire, je saurais plus faire. Bon, est-ce que la page est enfin lancée? Oh, oh, oh. Vous écrivez comment exactement? Ou genre c'est Mia, Char et mec, dans le genre? C'est Cha. En fait, je sais écrire Cha, mais le là ou que je ne sais plus comment on l'écrit. Genre, dis-moi juste le début que je fasse un truc genre Sarla quelque chose. Bah, c'est. Voilà, c'est. Voilà. Cha, machin, chose. Voilà, c'est comme ça, plus ou moins. Et ça, ça se fait. C'est Mai ou Mia? Mia. Ah oui, j'ai fait une faute. Ah, échec. Voilà. Mais bon, ça, c'était l'époque. Ah, même, genre, si mon pote te reconnaît, moi, j'ai jamais aimé, genre, parler avec les autres. J'avais aucun pote qui était il, tu vois. Également, les mecs que j'aimais pas, tu vois. Un mec qui jouait pour moi il m'énervait parce qu'à chaque fois que je faisais genre tu la connais peut-être cette furtre. Ah cette frange bref un mot que je me souviens. C'est genre tu lances un heal en même temps t'as l'autre heal qui le cast. Sauf que vu que lui il est ready et qu'il utilise du réconfort, ça dure 1 seconde 5 à cast. Toi ouais. C'est 2 minutes 5 tu vois. Du coup le temps que tu soignes bah l'autre il a déjà le bouclier plus le soin, tu sais, t'es trop deg. Ça me frustrait de ouf. Tac. J'ai trop marre de gens comme ça qui avaient trop de célérité ou qui jouaient Rudy et qui castaient trop vite. Pourquoi je ne sais pas partager mon bazar? Oh putain. Que tu penses qu'avec un carnet d'objectifs, je peux monter level 34 et RG de level. Là, actuellement, tu es le combien? 30. On était 34. J'ai les 20 mandats à faire. 30. Oh, ça m'embête ça. J'arrive pas à trouver. Ah, peut-être si je fais ça avec l'URL. Ah voilà. Avec l'URL, qu'est-ce que tu cherches? Hein, de quoi tu... Tiens. Bon, fais pas attention, je dis, ma barre d'outil, enfin ma barre de raccourci, sont vraiment en bordel, hein, cherche. Oh non, mon petit esquitre. Fun link. Ouais, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Yo, quoi ça? Passion principale de Shio, faire des prix. Ouais, je connais mes barres de raccourci par cœur. Ah bon? Bah, ça fait 2 ans que je joue, donc...
Et encore, j'ai joué à la... au Final Fantasy XIV du nom. Bon, c'était pas Rainbow. Tout à fait pareil. Non, non, celui d'avant encore. Bon, bah, je vais bien à Noir Suit alors. Putain, j'ai pas de pigment gris. Maîtresse des donjons. Alors tu utilises quoi? C'est quoi c'est? Genre t'as une souris avec des chiffres sur les côtés, c'est ça? Ouais. Ouais mais là mes raccourcis sont pas bons. Ah genre tu faisais en mouse clicking? Ouais. Le temps que j'apprenne le bazar par terre. Garde mon temps par exemple. Voilà. Mais lui, je sais précisément. Ça, c'est mon tank. Mon chevalier noir. Main. Attends, attends, ouais, mais toi, t'es marrant parce que moi, j'ai le délai du live. Hein. Ah ouais, je sais. Marrant. Conseillère spéciale, qu'est-ce que c'est ? Barre de tâche. Regarde, t'as même des barres de tâche de ninja, t'es pas ce qu'ils font là. Ouais, je pense que c'est une barre. C'est 3 barres en plus, en fait, c'est là. Ouais. Après ouais moi j'ai... Ah ouais toi t'as les petites barres. Par là. Trois, quatre... A, E... F, tu vas jusqu'à 9? Ah, tu fais pas mal de. Mais bon, voilà, je connais mes raccourcis par cœur. Là, juste pour le sapic qui est un tout petit peu plus compliqué. Là, je dois utiliser mes macros. Voilà ce que c'est que le macro sadique. Macro sadique ? Ouais, ça c'est la première. Après il y a la deuxième, mais vu que j'ai déjà utilisé le mur d'ombre, ça va pas. Après, c'est des combos spéciales à faire ? Ah oui, oui, et tu dois les claquer vraiment à un moment bien précis, sinon le tank c'est one shot. Il se prend 48 000 de points de dégâts dans la figure en. 30 secondes, même pas. Et la seule façon pour réduire ça, c'est de mettre tes shields au bon moment. Et faut que t'aies les cuits sur toi, hein, sinon. Ah, moi j'ai jamais testé. Il y a une strat genre déjà faite, ouais. Faudra que je... Oui, oui, la strat on la connaît maintenant, à force. Mais. Elle est compliquée. Ouais. Bon, c'est revenu. Tu les vends combien tes trucs là? Merci. Pas de pigment gris. De quoi tu parles? T'as ta couleur noire si. Ah non mais moi c'est pas une noire. Moi c'est du noir comme ça. Ouais, noir, noir suit. Bon, je ne sais pas 5 mais merci. Bah mec c'est de la peinture hein, j'ai pas. Je suis pas 10 heures à rallier pour 5 couleurs de peinture. À la limite, si maintenant je vais t'acheter de la peinture, je te l'achète. Pas qu'il va me trouver un trou du cul. Attends, comment t'as fait pour sortir ton inventaire en. Comme ça là, plusieurs, en plusieurs. 4. C'est longtemps que c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Tu vas dans personnage. Dans les... c'est pas... ah, c'est... dans personnage. Thème. Interface fenêtre non? Non, tu vas dans type de maniement, personnage.
Donc dans les configurations personnages, hein, bien sûr. Bah comme il est sur le stream en fait. Et là tu mets étendu. Enfin, format inventaire de l'inventaire étendu et format de l'inventaire du servant étendu. Ok, merci mec. Merci beaucoup. Sauvez la vie. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Au moins tu vois tout d'un coup. Car tu cubes que j'ai. Toi, t'as, toi aussi t'as un masse d'inventaire genre connerie dans ton avant. Oh, mon inventaire est plein. Mais bon. Il y a pas de tenue. Juste un encore. Il y a sa tenue. Il y a sa tenue. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui. Ça. 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 Voilà. J'ai toutes les tenues de tous mes persos. Y'a que le mage noir que vu que je ne joue plus, bah j'ai pas ses tenues. Donc non, faut sérieux, mon ninja. Ouais, parce que dans ton inventaire, t'as combien? T'as 25 sur 25 partout. Ah, je veux dire. Je sais. Je vois, il y a encore 25 places. 27 places. Non, moi j'ai quasiment 25 sur 25. Après, j'ai beaucoup de skins. J'ai acheté tellement de skins, genre. Ça, 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 qui est que du. En torse. Pantalon, mais t'as ça, ça, ça. J'ai pas du skin, ça. Ah, si, j'en ai chopé tout à l'heure, mais c'est pour mon archer. Attends, attends, mec, y'a Kebab qui a terminé sa tâche. Kebab. Ah, j'étais bête, j'avais pas d'idée de pseudo. Kebab. Oh, est-ce qu'il m'a ramené un truc bien? Voir le rapport des tâches. Ah oh. Recycler. Oh, viens, faut que tu me. Faut que. Je recycle. C'est trop rigolo. Déjà, je vais voir si ça coûte cher. Un cuivré. Est-ce que t'as monté ton recycleur en cuisine ou pas? Je crois que c'est une... Je viens de mettre 30, 7, hein, je sais pas encore. Je trouvais pas de recyclage. T'as arrivé à Alden Ah oui. T'as été toujours aux arrières Alden, le down, pas encore le. Le 1, pardon. Non, j'attends. On est sur le demain. J'arrive encore à trouver un combo idéal, mais bon. Ah. Bard. Bard, ouais, mais non, le problème c'est que je caste trop, genre. C'est que j'ai trop de temps de cast entre les trucs. Genre pour caster un sort, et soit trop de vivacité, donc à ce moment-là, bah j'utilise trop de PT, du coup j'ai jamais ma mana. Soit je casse pas assez vite, et bah voilà quoi, je prends pour lancer tous mes sorts. Enfin de. Genre là, je castais trop vite, trop doucement parce que je voulais faire mâchoire de fer. Level 60, ça j'ai va. Pas de rota, mais level 50, j'ai une petite rota. En barre, tu parles? Ouais. Non, non, mais barre de. Sans menu et du gay, sans menu et du vagabond, je suis tout le temps. Je suis pas à faire des vieux tirs à là. Là, faut que je fasse attention à bien reset mes poisons, à mettre mon. Pêche à. La flèche, quand je fais, t'as vu, je fais un saut où je tire 3 trucs sur le mob. Bah, genre ça. Il est moche, hein, mon barde. Pas mon barde. Le mien. Ah,
Bah, il y a que 45, du coup je fais pas de... T'as eu le stuff, t'as eu surtout eu le stuff 45. Stuff voilà. 45. Aïe, erreur. Eh, t'as déjà fait une erreur, lui. Ah bon, laquelle? En gros, faut que quand tu commences ton combo, tu mets directement hémorragie. Ouais, parce que je me suis trompé de perso. Ah. Non, hémorragie, moi, tu peux conseiller de le faire après. Enfin bon. En fait, quand tu mets hémorragie, le prochain tic sera de poison, je pense que tu sais. Ça a une chance de reset ton hémorragie. Du coup, t'as une chance que... elle est petite ta chance, mais qu'au moment que tu utilises ça, t'as vu que tu utilises ta morsure du vent ou ton morsure venimeuse selon tout, et bien t'as l'hémorragie qui revient dessus. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive, tu vois, des fois que quand je casse directement, j'ai deux hémorragies d'un coup. Pour récupérer l'agro, bah bravo. Bravo Albert. Elle a récupéré l'agro. Après, moi, il me faut du sang pour du sang, et je sais que c'est le seul truc qui me manque pour faire du bon début. Que sur Reborn j'étais à 400 DPS sans du sang pour du sang. Avoir du sang pour du sang. Ça, tu sais vite monter, hein, faut bien maîtriser sa place. Il, comme je t'ai dit, j'ai que fait. Et Astro. Jamais vu une classe de heal aussi facile. T'as 4 sorts de heal, 4 sorts de DPS, le reste c'est que des merdes lui à faire. Avec des cartes. Ah, donc, je trouve Castro. Ah. Ça fait quoi? J'ai plus d'équipe. Quoi? Pourquoi? Bah parce que c'est trop autant qu'ils sont connectés. Bah pour moi, du sang pour du sang. Je mettrais. À quel moment? Je peux essayer de te caster une petite capacité, hein, si tu veux taper un peu. Regardez si quand je reviens au début, je sais tout de suite casser des trucs ou pas. Ouais, elle fait, c'est vrai. Il classe ce truc mog là. Faut te l'être un mog. Entre quoi et quoi? Pas de chance pour les cartes. Hein. Mmh. Arrête, viens, essayer de récupérer tes CD, comme ça je te mets un truc vacillé. Ouais, je vais avec toi, genre tu casses bien vite. Ah, mais viens, comme ça on tente que t'aies récupéré tous tes codons et tu. Parce que là t'as 30% de casse supplémentaire de rapidité donc. Bon, tu me dis quand t'as tout tes CD comme ça. Voilà. Bon. Bah attends. Attends, ça fait un certain temps, enfin.
Ouais, ça 90 secondes. Ouais, je sais. Ah tiens. Je suis pas dans le bon jeu. Non. J'arrive. Pourquoi on peut pas le mettre à un mec comme ça là, sérieusement? Moi j'ai essayé de solo solo heal A4 pas en sadique hein, normal. Tombé à court de mana ou à la deuxième jambe. Tellement bouffe mana. Ah, j'ai la carte, parfait. Après j'ai pas baisé de viper, faut que tu pètes aussi. Ah. Baiser de viper, tu l'utilises pratiquement jamais. Viper, tu l'utilises jamais. Pourquoi? On sert pas, enfin du moins de la façon que je joue, je m'en rappelle pas de toi. Bah après ça fait toujours un petit peu de régène hein. Non, attends-moi, parce que là j'ai pas encore la carte. Arrête-toi. Hop. À part si t'as une macro qui te fait aider. T'en as pour. Attends. Alors, deux cartes. J'espère que t'as de la chance. Non, quelques metteurs, je sais pas. Je m'en installerai bien un, je ne sais pas quand, ni quoi, lequel. Moi j'en ai un. Ouais, je vais faire. Même un mec qui t'explique comment. En français? En français, ouais. C'est moi et l'anglais, c'est fait. Alors. Je l'envoie sur TS. Bon, il est pas mauvais. Déjà utilisé auparavant et pas été déçu. Bon, après, j'ai un problème de pare-feu, toi. On va voir avec tes pare-feux. Il y a beaucoup de choses qui bloquent à cause des pare-feux. Mais sinon. Attends, il faut que je télécharge quoi au juste?
dans la description. Mais il y a plein de liens dans la description. Alors la mise à jour, c'est en gros avec le cours du temps. Alors tu prends le truc mise à jour, après tu prends assez. Là, juste tu écoutes la vidéo, en fait ils te disent ce qu'il faut que tu fasses, tu t'es ça. Ah ok. J'ai déjà avancé je crois à 30 secondes. Tu le dis hein, quand je suis en seconde. Quoi? Tu le dis quand c'est bon. Ouais, je trouve autant de chance. Hein. Pour vous parler d'un petit programme qu'on nomme ACT ou Advanced Combat Tracker que la plupart d'entre nous utilisons sur Final Fantasy XIV afin de calculer notre DPS. Le kickimeter quoi. Aujourd'hui donc, on est là pour faire un tutoriel sur comment l'installer, c'est bon. Comment le configurer et surtout comment le rendre kikou comme vous avez pu. C'est bon. C'est rare. Alors, pourquoi j'attends précisément 14 secondes c'est pour avoir le temps après. Et c'est bien rapide, hein. Bon. Voilà, j'ai fait péter. Et t'as pas de motivation en même temps. Hein, parce que je l'ai pas mis dans la barre. Ouais, non, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est après, c'est ta motivation. Quand tu vois que tu commences à perdre, quand t'as 600 de PT, tu mets directement et tu vois. Pour moi, après, après normalement, quand je faisais un ninja, j'arrivais à. Je faisais 600, je remontais à 1000. Je faisais 400, je remontais à 800. Puis à 100, je mettais à 500. Et puis après, j'étais un peu des fois en cours de mal. Ah bon, t'as déjà en attendant. J'ai vu mes classes. C'est pas les cross kills qui me manquent, on va dire. Ah là, oui, surtout. Hein. Ah, en parlant de ça, moi, faut que je me plein de DRG, mais genre. Wouh! Voilà. C'est 30 heures. Ça va, t'es pas très 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 loin du. Je déteste cette classe. Si je pourrais la prendre et la supprimer, Dieu, je le ferais. Y'a pas beaucoup de monde qui l'aime bien. C'est quoi ça? Le mec il se bat avec une fourchette. Non, c'est, il fait des sauts périlleux. Le mec, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est pas une fourchette. C'est de faire voir ce que c'est qu'une fourchette. Ah, c'est fourchette Mog. Non. Je sais pas le level. Moi, je sais qu'il y a la fourchette Mog aussi. Enfin, c'est pas une fourchette. Je veux dire plutôt, c'est une fourche.
Tant mieux, une fourche. Là, il va ramasser du coin dans la campagne. Allez, vas-y, je joue à FF14. Viens jouer avec moi. Voilà. Une fourche. Oh, regarde, c'est... on dirait un truc d'homme préhistorique. C'est vrai qu'on m'a griffé des cornes de rhinocéros. Et la dame à douté. Un trident, t'sais. Elle fait pas le mec, hein. Moi aussi, je peux faire un saut. Mais le seul truc que je trouve beau, la vie de moi, le seul truc qui est bien chez le DRG, tu l'avais, hein. Dans ta lance, mais de façon classe. Regarde, tu cours. Merde, je fais. Moi, je trouve ça classe, genre tu sautes en l'air et tu lances la lance. Classe. T'as plein de trucs classe à faire avec une lance, tu vois, comme ça. Genre tu sautes en l'air et tu la lances. Hein? Si je saute d'ici, est-ce que je retourne sur le côté? Ah non, j'entends pas sur le côté. Le mec essaye des trucs un peu chelous, tu sais. Si je fais ça, je retombe là. Ça, je trouve ça classe. Trois quarts des sorts, je l'ai jamais vu. Ah, je trouve ça classe. Mec, alors une fourchette. Vas-y. Le tas de ma fourchette. Alors, le truc qui est vraiment bien, c'est... ça, c'est juste pour emmerder le tank. Ah, pour l'agro. Ouais. Tu veux pas rester sur le meuble? Pareil que ceux-là. Le saut level 50, je crois. 34. Non, pas 34. Du coup, tu l'utilises. Ah, mais si t'es au corps à corps, tu ressautes sur place, quoi. Tu fais du. Sur place. Ouais, alors attends. Tu fais tac-tac. Ouais, je l'ai en cooldown au moins. Voilà. Ouais, tu faisais. Je lance des fourchettes dans les cieux. N'empêche, costaud, hein, parce qu'ils sautent haut, hein. Ils sont puissants, les personnages, hein. Ils ont peur d'un petit... caca. Là, je la trouve classe comme technique en animation. Le truc qui fait le poison. Allez, quand t'as mis, tu peux le faire. Est-ce que tu fais un saut et tu peux taper en... T'apparais même pas sur mon écran. Ah ouais, c'est trop. Comme ça. Pourtant, je vois bien haut. Hein. Attends, j'arrive. Hit, c'est bon. Attends, hop. Et encore à corps avec la main. Tac. Ouais. 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 Voilà, j'ai vu plus ou moins jusque où t'arrives. Je suis tout là-haut. On va le faire d'autres cieux. Ah, je vais te le faire. T'es prêt? Bah, toi? Attends, encore à corps. C'est bon? Un conseil, regarde vers le haut. Parti. What? Tellement rapide. Je sais pas, je trouve un peu bizarre cette classe. Bon, maintenant il faut que j'étudie mon cycle. Ça, c'est pas gagné. Elle me pose que je vois. Là où je saute. Même de tout là-haut là. Ouais, moi faut que je fasse mon maître.